Yaurana, c'est Eric. Alors, voici l'endroit d'où je voulais vous faire le tirage de cartes de la semaine. Mais vu qu'il fait hyper froid, je ne vais pas rester longtemps et je ferai exceptionnellement le tirage demain au chaud à la maison. Et du coup, j'en profite en étant ici pour vous envoyer tous mes voeux de passer un super réveillon, de bien vous reposer, de bien vous amuser. Et c'est pas anodin, en fait, je suis revenu juste à un endroit où, en milieu de semaine, j'ai vécu une magnifique guérison, et notamment grâce à une conversation avec mon amie Léa sur la dimension familiale, le fait d'être, comme je disais cette semaine, la notion d'êtreté, et j'ai vraiment découvert que je me suis rendu compte que finalement, je ne me sentais pas bien dès que je sortais de mes repères physiques. Et que cet endroit que je connais pas beaucoup m'a un peu déstabilisé, mais le fait de tout lâcher et de retourner dans mon essence, de me rendre compte juste que je peux être n'importe où et bien, juste en étant aligné à moi-même, et ben c'est hyper libérateur. Et voilà, c'est juste le petit message que je voulais vous partager avec une petite affirmation positive, un peu dans le style de Louise Hay. Là, j'ai bien envie de faire ce genre d'affirmation, de dire il est sans danger pour moi d'aimer, d'être aimé, d'accueillir le meilleur dans ma vie. Et je m'aime de la tête aux pieds et j'aime énormément les autres aussi. Voilà. Donc, encore une fois, je vous embrasse, passez une très belle soirée, une très belle journée et je vous dis à demain pour le tirage de cartes. Aloha, mahalo nui, mes amis. Je vous montre juste le petit panorama. Puis comme vous l'entendez, j'ai attrapé un petit rhume ici. Mais bon, les températures ont bien chuté. Voilà. Je vous embrasse fort. À bientôt, à demain. Aloha.